Alors, il s'est fait arrêter? Là, ils sont sortis. Là. Attention. Ah, garez-vous sur le côté. Voilà. C'est un péage. On se fait tous arrêter un par un. Salut à tous, voilà, c'est le jour du départ. On est en train de monter la moto. Tout le monde se fait arrêter là. On a... Ils ont cru que c'était le concert de Johnny Hallyday. Ouais. En fait. Il y a 7 voitures de gendarmes apparemment. Oh, il y en a partout. C'est un truc. Hier, on a eu drone, pleine nuit. Oh là là. Je pense qu'ils avaient la caméra thermique. Ouais. Enfin, c'était il était énorme le drone. Un truc de dingue. T'es balèze. Tu l'as vu en... Ah ouais, je l'ai vu. T'avais une sorte de 3 lumières devant là comme ça. Il paraissait énorme. Et quand on a fait nous, on a fait coucou. Et du coup, le truc, il a fait ouh, il est reparti. Oh la vache. Non, du coup, on va envoyer Mano parce qu'en fait, il y a des voitures de gendarmes à droite, à gauche, partout. On va envoyer Mano. On va envoyer Mano. Il paraît soft, Mano, c'est bon. Non, non, en fait, on va pas. Non, peut-être pas, non. Donc voilà, bah nous, après, voilà, ça va. Ceux qui ont bu, ils vont attendre un petit peu. Ils ont chopé personne. Ils ont chopé personne. Ils ont chopé personne. Tout seul, en fait, ils ont contrôlé tous les gens qui arrivaient à la fête. Ouais. Ils ont chopé personne. Et pour l'instant, sur le départ, ils ont chopé personne. Tu veux dire, ils ont chopé, ils les ont arrêtés, ils avaient rien ou ils ont ah pas non, arrêté. Ils les ont arrêtés. Ah ouais, ils ont arrêté. Rien eu. Il y avait personne qui était alcoolisé. Voilà. On doit faire attention. De toute façon, il n'y a pas eu d'alcool. Et puis là, avec tout ce qui a plu, eh ben, Bruno, il a fait venir un peu de cailloux parce qu'il y en a, sinon ils vont rester. Ils vont faire venir des cailloux. Il n'y a plus de pneus, rien. Il n'y a plus de gros pouces. Bon, en fait, c'est le petit jeu. On regarde tous les camping-cars qui s'en vont et on regarde s'ils sont arrêtés, mais en fait ils sont tous arrêtés par les gendarmes, tous un par un. Dans tous les côtés, vous passez par tous les sens, vous faites arrêter. Alors il s'est fait arrêter ? Là, ils sont sortis. Bon, ils viennent de sortir. Ah, attention. Et là, regarde, attention. Ah, garez-vous sur les côtés. Voilà. On se fait tous arrêter un par un. Pour tous ceux qui m'ont demandé le contact de Pascal et si vous avez envie de faire un petit graphe sur votre camping-car ou sur tout autre chose en fait. Bon là faites pas attention à l'herbe, c'est Mano qui a passé la tondeuse. Voilà, si vous voulez, son contact. Allez crapaud, allez crapaud, allez. Bon, et eh bien voilà, nous sommes sous le point de partir. On s'en va dans un petit 10 minutes et là, il y a un vieux Saviem là qui est en train de reculer. Et peut-être qu'un jour, je ferai un portrait sur eux si on a l'occasion de se croiser. Voilà.
Et c'est des gens qui sont adorables et ils ont un bus qui est vraiment magnifique. Un vieux bus, il doit être de 1980 ou 79. Ah, je sais plus. Si je dis pas de bêtises, hein. Voilà, il est dans les années 80. Et voilà, vraiment un vieux coucou, très joli, très propre, bien entretenu. Regardez-moi ça, ce bel engin. Cette jolie petite maison. Excellent. Regarde ça, comment il est beau. C'est parti, on s'en va. Bisous à tous. Bye bye. Pas facile de partir, hein. Pas facile de partir. Bye bye. Salut la marouille. Merci. A plus la famille. Regardez ce que j'ai mis sur mon petit bracelet. Ce que j'ai mis sur mon trousseau de clé, je veux dire. Regardez, le petit Martin. Excellent. Nadia qui a fait ça. Trop mignon, repart avec des petits souvenirs. Even fighting in the war, dodging lead, breaching rival doors. I never took no heed that could ever strike me down. Oh, when I'd come home, glory, hallelujah. Oh, your love had a way of knocking me on down. Bah alors, chouchou, tu galères ou quoi? Hey, quand vous vous gourez de route, parce que nous, forcément, hein, c'est pas une légende, hein, dès qu'on fait un truc, on se gourre. Un petit rond-point. Ah, je m'y suis pris à trois fois. Sur le GPS, on dit c'est bon, il y a un rond-point au bout de la rue, on y va. Sauf que c'est un tout petit rond-point. Ah, je suis mort, mais je suis fatigué. C'était trop drôle. Ah là là. Bon, allez, on prend la route, à tout à l'heure. La route continue et on s'est arrêté chez un bandit, il voulait nous faire un cadeau. Alors c'était assez gênant. Du coup, il nous a donné son adresse, on a été chez lui. Et là, il nous a offert. Qu'est-ce qu'il nous a offert? Le cadeau le plus utile, voilà, un cadeau de fou, quoi. Un truc qui prend pas de place, qui est super utile. Et voilà, bah, il n'y a rien d'autre, c'est magnifique. Je sais pas quoi dire, on est encore sur le cul, quoi. Il nous a offert du gasoil. Ouais, il nous a offert du gasoil. Bon bah merci à vous les bandits, ça nous a fait très plaisir, ouais. Ça nous a touché. Un grand merci. Et ouais, un grand merci. Et un cadeau super utile. Ils se reconnaîtront. Et ça n'a pas pris de place du tout, quoi. Petit filou. Ouais. C'était vraiment un super cadeau. C'est la première fois qu'on a un cadeau pareil. Ouais, c'est excellent. Merci beaucoup. Il a dit que ça remplacera le PayPal. Ouais. C'est trop gentil. Voilà. Merci à vous. Là, on va s'arrêter pour manger. Puis après, on va chercher un spot. On va pas rouler beaucoup aujourd'hui. Non, je pense pas, non. Voilà, on a envie de se poser, là, de se reposer un peu. Surtout les enfants aussi. Hein. Allez, à tout à l'heure. Alors, première galère encore. Ouais, on cherche un spot parce que là, on veut s'arrêter pour dormir. On est fatigué. Et Charlotte, elle nous a trouvé un spot en pleine nature. En fait, c'était chez un châtelain. Ouais, voilà, avec un château. C'était chez un châtelain. En fait, on prend l'application par Fortnite. Et donc là, au calme, pas d'habitation, rien, pas d'ouverture, pas de fermeture. On arrive devant un espèce de petit château. Le monsieur vient nous voir. On dit, bah déjà, il y a une grande barrière en bois qui ferme le chemin. Et là, le monsieur dit, bah vous cherchez quelque chose? On dit, bah ouais, vous êtes référencé. Il dit justement j'ai fait fermer parce que les gens ils venaient dormir là, il y avait trop de super, passages. Bien Park Fortnite. Elle est pas facile. Il y a eu des nouvelles mises à jour et c'est vrai que là c'est. Moi j'aime de moins en moins. Ouais, c'est compliqué là. Donc on repart et on va trouver autre chose. On va servir de map, ça va être très bien. Tu vas faire à l'ancienne. C'est ça. À l'ancienne. On va essayer de vous partager notre spot, mais je vous promets rien. Regardez au pif. On va y aller au pif. Au pif comme l'application. Bah comme tu sais bien faire en fait. Ouais. Hein. Juste qu'on trouve la route de Lisieux. C'est ça. Voir où ça nous mène.
Et ben alors. Pas mal, l'échelle là-bas, comme ça on est au calme. Oh mais dis donc, qui s'est laissé désirer cet emplacement. C'est quoi ce bordel, on n'est plus habitué, on arrive plus du tout. J'avoue là. Imagine. On a eu un petit peu de mal. Hein. Non, mais je pense qu'on était fatigué et tout, on en avait marre. Ouais. Et puis on avait envie de se poser, du coup, plus t'as envie, c'est toujours de, quand t'as envie de, te poser, de trouver un spot et plus là, tu galères à en trouver. Il y a des fois tu roules, oh, regarde la chaussure, oh, sur la bouteille d'air. Ah bah bravo. C'est malin ça. Ça va que c'était une vieille qui fait les congettes. Bon bah allez, on s'installe. On vous dit à demain. Nous on va préparer à manger. Bisous. Et puis on va aller se coucher. Ce soir on se couche de... Bonheur. Allez, ciao, bye bye. Et toi tu t'es bien amusé chez le Gaulois? Oui. T'as joué avec qui? Mano. Et c'était bien? Oui. Il était gentil? Oui. Il est beau? Oui. Tu lui envoies des bisous? Oui. Fais ça. Ouais. Bonjour tout le monde. Regardez, ça y est, on est posé. On a bien dormi, nuit très calme. Et là, on va sur en dessous de camp. Vous allez voir où est-ce qu'on vous emmène. Ça faisait super longtemps que j'avais envie d'y aller. Et j'avais dit, dès qu'on passe dans votre coin, on vient vous voir et on fait une vidéo sur votre entreprise. Je vous en dis pas plus. On se dit à tout à l'heure. On va mettre le camion en route. Tout le monde est quasiment prêt. Petit déj, tout ça. Moi, j'ai pris mon petit Y-Food comme d'habitude le matin. Et il y a un truc trop bizarre. Regardez, allumette. Allumette, elle est là depuis ce matin. Et elle veut pas trop descendre. Et on sent, elle sent quelque chose. On sait pas si elle sent quelque chose, une présence ou un truc. Hein, chouchou? Ouais, c'est trop... Là, regarde, ouais. Regarde encore. Elle est pas... Elle est pas comme d'habitude. Non, elle est pas comme d'habitude, elle est pas sereine. Peut-être qu'elle sent qu'elle en compare et puis qu'elle reste au pied. Ah, peut-être, ouais. Quand elle sent qu'on part, elle est stressée à fond. Ah, je vais venir avec vous. Mais t'inquiète pas, on va pas t'oublier, allumette. Mais non, non, là, il y a un truc. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Allez, en route. Eh bien voilà, ça y est, nous sommes arrivés sur l'emplacement. On est dans une entreprise en Normandie. Oui, pas très loin de Caen. Ma petite Charlotte. Et on n'a pas envie de vous dire où c'est. Vous verrez ça en vidéo vendredi. Je sais, c'est pas cool, vous aimez pas qu'on fait ça, mais nous, ça nous fait trop rire. En fait, voilà, c'est une entreprise qui nous tient vachement à cœur. C'est une vidéo qui va être assez intéressante à voir, surtout pour les petits. Les enfants. Voilà. Si vous avez un indice, si vous savez ce que c'est, laissez-nous en commentaire. Normalement, si vous suivez bien nos vidéos, vous savez peut-être où on peut se trouver. Voilà. Donc, cette vidéo se termine. Vous avez vu, on a eu les gendarmes et tout chez le Gaulois. On a eu vraiment le week-end, un week-end de concentration, de gendarmes, de drones. C'était vraiment assez démesuré par rapport à l'événement. C'était très sécurisé. Voilà. Enfin bref. Et là, on a fait la route. On est arrivé ici gentiment. Vendredi. Vous aurez la vidéo de cette entreprise et vous allez découvrir plein de belles choses. Peut-être qu'on le dira un peu en story, non? Peut-être qu'on vous donnera des indices en story. Et voilà, on vous en dit pas plus. Rendez-vous vendredi. Laissez-nous en commentaire si vous savez chez qui on est. Gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Pas trop de bêtises. Et à vendredi. Ciao, bye bye. J'ai tout foiré ma vidéo.